L'activité du rayonnement du nombril. Activité qui va favoriser les connexions au niveau du centre du corps, à la fois la différenciation entre centre et périphérie, et aussi les connexions justement entre centre et périphérie. On travaille le réflexe, c'est là le nombril. On travaille le réflexe de radiation du nombril, qui est appelé aussi réflexe de centrage ou encore réflexe de l'étoile à six branches. Donc ça va être un éveil de tout l'avant du corps, au niveau tactile, avec différentes combinaisons, des combinaisons homologues, homolatérales et croisées. Et voilà, c'est pas difficile du tout. On va vous montrer ça. Alors, où est ton nombril, Macha? Montre-moi où est ton nombril. Il est ici. Ok, je l'ai trouvé. Tu peux reposer tes bras. Je pars de ton nombril. Et je vais en haut, jusqu'au sommet de ta tête. Et je reviens. Et en bas, pression au niveau des épines iliaques. Et je reviens. Puis je vais réveiller chaque bras et jambe séparément. Je vais jusqu'à un bras, je fais une petite pression au bout des doigts et je reviens. Une jambe et je reviens. L'autre jambe, je presse aussi au bout des orteils, je reviens. Et ici, l'autre bras et je reviens. J'ai vous noté que j'ai toujours une main qui reste au centre. On va faire plusieurs fois que les bras, que le haut. T'es prête? Le haut, un côté. Et l'autre côté. Encore un côté. Et l'autre côté. Et une troisième fois, un bras. Et l'autre bras. Ça, c'était le haut de ton corps. Et maintenant, le bas. Je vais vers l'épine iliaque pour démarrer. Je marque bien le quadrangle ici. Une jambe. Et l'autre. Une jambe et l'autre. Encore une fois, une jambe et l'autre. Maintenant, on va faire les côtés de ton corps. Le bras d'un côté et la jambe du même côté. Je recommence. Le bras d'un côté et la jambe du même côté. Tout du même côté. Corps. Toujours bras et jambes du même côté. T'as un autre côté. Celui-là maintenant. Main. Et jambes du même côté. Là. Ouais. C'est ça. Trois fois toujours par combinaison. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire des croix. On peut faire le X. Ça fait ça le X. T'es prête pour le X? Le X c'est ça. C'est la croix. Toujours je commence au milieu, parce qu'au milieu c'est notre maison. C'est toujours par là qu'on commence. Je me promène, je vais sur un bras. J'appuie un peu au bout. Et je passe à la jambe qui n'est pas du même côté. Et j'alterne les diagonales. Un bras. Et la jambe qui n'est pas du même côté. Un bras. Et je traverse la jambe de l'autre côté. Un bras. Et la jambe de l'autre côté. Oh, c'est rigolo ça. Comme ça le X. Ouais, c'est comme ça le X. Et je reviens dans ma maison. Dernière étape pour finir, petit temps d'intégration. Une main dessus au niveau du ventre. Une main dessous. Une main dessus, une main dessous. Et on laisse discuter entre eux l'avant de ton corps et l'arrière de ton corps. Là, c'est le ventre. Et là, c'est le dos. C'est où le ventre? C'est où le dos? Oui. Donc, on reste le temps qu'on a envie, 30 secondes, une minute. À faire cette prise de conscience, cette communication entre le nombril et le haut du sacrum. Elle est bien réveillée, ton étoile? Parfait!